Ce jeu est absolument excellent. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, la même compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle courte vidéo sur le jeu X Defiant. Je suis très heureux, les amis, de vous proposer ce petit gameplay. Alors attention tout de même, aucune prétention sur ce gameplay, vous allez le voir, je fais pas un score de dingue, mais justement, c'est un gameplay que je trouve assez satisfaisant parce que ben, ça vous montre un petit peu les possibilités du jeu. Voilà, enchaîner les kills sans mourir. Alors vous allez voir, au début de la game, je vais avoir du mal à rentrer dedans, mais par la suite, je vais faire des enchaînements assez sympa. On se retrouve aujourd'hui à New York sur une map qui s'appelle Times Square, si je dis pas de bêtises. Bah le Times Square bien sûr à New York, regardez le subway, c'est bon ça. Le mode de jeu c'est de l'escorte, donc c'est un jeu évidemment qu'on retrouve, un mode de jeu qu'on retrouve sur beaucoup d'autres jeux, hein, notamment sur Call of. Vous savez que ma référence c'est Call of, en tout cas ma référence jusqu'à aujourd'hui, puisque je commence à m'en détacher de ouf grâce à ce nouveau jeu qui est absolument incroyable. Et je pèse mes mots, on va en débattre évidemment, chacun a son avis encore une fois. J'ai vu vos commentaires sur la précédente vidéo et ça m'a fait plaisir. Escorte, donc le but du jeu, voyez le robot, voilà, il faut l'escorter donc jusqu'à la fin, sachant qu'il y a des phases de checkpoint, donc plus on va l'emmener loin, à un moment donné on aura un checkpoint, c'est à dire que si on meurt, eh bien il faut refaire toute la route, etc. J'ai pris également une autre faction cette fois-ci, voyez, j'ai pris la faction Phantoms alias les soldats du Turfu, donc qui me permet de poser une barrière magnétique et qui me permet de me protéger. Alors c'est vraiment une autre façon de jouer, c'est très sympa parce que ben à chaque fois je prenais Libertad et donc ça me permettait de me soigner, hein, référence à Far Cry 6, j'avais des soins. Là l'avantage c'est que ça peut permettre à tout le monde de pouvoir se sécuriser derrière un mur, sachant qu'on peut tirer à travers le mur et les ennemis peuvent pas, mais ça dure que 5-8 secondes tu vois. Mais c'est assez sympa, vous allez voir, ça va pas mal m'aider. Je joue avec une AK-47, plutôt sympa. Et vous allez voir les enchaînements de kills qui vont être assez sympas. Donc voilà, on escorte le paquet et c'est plutôt plaisant. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu. Et je voulais revenir sur un commentaire, quelqu'un qui disait, oui ben voilà, c'est comme beaucoup de FPS et ci et ça, donc ça c'est réel, hein. Je veux dire, chacun essaie de faire sa place et c'est assez terrible. D'ailleurs faites pas attention, j'ai un bug, mon pseudo ne s'affiche pas sur ce gameplay. Voilà, donc sachez que le seul connard qui n'a pas de pseudo c'est moi, hein, sachez-le. Donc vous voyez là, à chaque fois on respawn à l'autre bout de la map, il faut remarcher et ci et ça, et puis par la suite on aura les checkpoints. Le jeu ressemble à Apex selon certaines personnes. Alors justement, c'est ça ce qui m'éclate, c'est que au contraire, Apex, je n'arrive pas à jouer. Je déteste Apex, j'en suis absolument désolé, je n'aime pas du tout le gameplay. Et je peux vous dire que X Defiant n'a pas du tout le gameplay de Apex, ou alors c'est que je suis sacrément, bah excusez-moi, mais je n'ai pas la même sensibilité visiblement. Pour moi, le gameplay ressemble plus à un gameplay Call of, et c'est un plaisir. Je sais pas, je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements et je me sens plus sur un Call of et ça fait du bien. Là où Apex, je sais pas, je me sens un petit peu mal, j'ai du mal avec Apex pour être honnête. Mais par contre, voilà, libre à chacun d'avoir son ressenti justement. À partir de là, vous voyez, je vais faire des petits enchaînements, ça va être assez sympa, hein. Et vraiment, ce jeu promet d'être une petite pépite. Je m'éclate, je me suis rarement éclaté aussi longtemps sur la durée, je veux dire. La dernière fois que je me suis éclaté comme ça, c'était à la bêta de Call of Duty MW2 2022. J'espère qu'on sera pas autant déçu quand le jeu sera sorti publiquement. Mais en tout cas là c'est vraiment, vraiment une pépite. Je vous laisse un petit peu apprécier. A noter évidemment qu'on gagne cette partie. Ce qui est assez excellent, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de l'escorte et que je me retrouve dans l'équipe d'en face, on gagne aussi. Donc en fait, peu importe dans quelle équipe je vais, on gagne. Oh, il faut se poser les bonnes questions, hein. Non, je rigole. Je rigole, je me la pétais. Non mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir. J'aime beaucoup la façon de jouer, donc c'est plus ma cam. C'est vraiment ma cam, et donc c'est pour ça, c'est peut-être pas la cam à tout le monde. Il y en a qui vont pas apprécier, c'est tout à fait normal. C'est le principe d'un jeu, c'est qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Libre à vous de commenter. Mais voilà, je vais essayer de vous proposer vraiment d'autres contenus sur ce jeu. Pour le coup, parce qu'il y a de quoi faire, les maps sont vraiment géniales. Les factions sont plutôt sympas, leurs pouvoirs du coup sont vraiment cool. Assez équilibrés je trouve pour le moment en tout cas. Et les modes de jeu, bah écoutez, il y en a que 4. Mais ça fait le taf pour le moment puisque c'est une bêta. Donc vraiment, vraiment sympa, et pour le moment ça détrône pas mal de jeux qui sont dans la compète, j'ai envie de vous dire. Donc à voir par la suite en tout cas.
Moi j'ai envie de vous dire que on se quitte sur une belle petite victoire. Je finis pas premier de la partie. Vous allez voir que le premier de la partie, il a fait un beau jeu de mots dans son pseudo, j'aime beaucoup. Mais en tout cas vraiment sympa. J'ai hâte de vous lire encore une fois en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Si vous avez accès au jeu également, voilà, dites-moi un petit peu, voilà, sans reproduire ce que vous avez déjà vu sur les réseaux, hein. N'essayez pas de faire comme vos youtubeurs préférés qui disent que ce jeu c'est de la merde. Voilà, soyez un petit peu objectif. Voilà, ma bite a gagné. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Elle était courte, hein, le gameplay était assez rapide justement. On a gagné en 2-2. Voilà, pour être très honnête, très bientôt des prochains gameplays avec un petit peu plus de score et des maps très intéressantes. N'oubliez pas le like ou le dislike et le commentaire. Salut!